Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Witcher 3 Wild Hunt. Ici c'est Music Box, j'espère que vous allez bien. Et moi je suis en tout cas en forme pour continuer notre aventure et nous diriger lentement vers l'auberge de la Croisée des Chemins qui nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce que nous allons devoir faire à Velen. Dans la région de Velen, mes chers amis, voilà. Et pendant ce temps, ma vie se recharge toute seule grâce au signe que j'ai équipé, ce qui est plutôt pratique quand même. Le plaisir. On va retraverser ce champ. Oh là. Mon cheval fait un peu de la merde. Plus vite. Je tiens à le préciser. Ce sont des soldats. Ah d'accord, ce sont des soldats du Nilfgaard. Attendez, il y a un putain d'ours. On va se faire maintenant tout de suite. Hop. Tu sais faire, saleté. Gwen, allez, c'est parti. Ah! Ceci dit, je n'ai pas d'adrénaline. Go. Oh. Hop là. Allez, un petit point. Ok, tout va bien. Ok, ça va. Voilà, notre cher petit ours est mort. Je commence à bien m'en sortir dans les combats quand même, faut pas déconner. Je commence à prendre du galon, mes chers amis. On verra si c'est toujours la même pour les boss plus tard, mais pour l'instant, certains types d'ennemis, je les maîtrise bien. Oui. Ah mince, il y a des chiens sauvages. Ah, qu'est-ce que t'es moche. Bisous. Voilà. Ça c'est fait. Bon, vu qu'on est dans la journée, je vais peut-être pas me recharger tout de suite en... Recharger tout de suite en comment dire. Allez, tu meurs toi? Non, ah putain, il a pas pris les dégâts. Ah fuck. Me recharger tout de suite en santé, ça va se recharger tout seul. On va garder la bouffe pour la nuit. Alors. Ablette, elle est par là. Elle est partie assez loin, dis donc. Pourquoi il m'entraîne vers la... Oh là. Vers la droite, alors je veux pas du tout aller vers la droite. Ah, d'accord. Il y a le pont qui est par là. On n'a pas trop le choix. C'est bien, Ablette. Des noyeurs. Est-ce qu'on se les fait? On se les fait, allez, c'est parti. Je tue toutes les bestioles qui sont sur mon chemin de toute façon. Au pire, ils sont peut-être en train de garder un trésor ou quelque chose. Là, j'en sais rien. Oh, oh, bouah ! Non. Gérald, nage, s'il te plaît. Bon, cette fois-ci, par contre, le coup d'une viande, ce serait pas mal. Oh, putain, faisons pas de la merde, faisons pas de la... D'accord.
Eh bien joué, eh bien joué. J'étais très mauvais sur le coup. Peut-être qu'on pourrait leur balancer une petite bombe. Petite bombe, c'est peut-être pas mal. Ouais, je le sens bien. Petite bombe, ça me dit bien, la petite bombe. Alors... Petite ruche, ouais, allez, une petite ruche. On est chaud. On est chaud bouillant, les amis. Non, ils sont loin, en fait. Ils sont tous partis. Bon, bah tant pis, pas de ruche. Pas de ruche, mes amis, pas de ruche, tant pis. Allez, approchez, bande de salopards. Ah, y'en a qui est mort. Ah, ah non, il est pas mort en fait, il est juste... Hop. Toi tu vas crever, voilà, merci. Hop, voilà. Ah, on est beaucoup mieux là. Voilà. Et le dernier doit être là-bas au fond. Bonjour mon cher ami. On va se mettre un couen. Je vais spammer les fiches faibles là. Normalement, il devrait peut-être pas pouvoir. Voilà. Me niquer. Alors, attendez. Lui, on peut le looter là. Du poisson séché, ok. On prend l'XP où on peut, surtout qu'on va bientôt monter level 5, donc on va pouvoir prendre du coup une autre armure. Théoriquement. Plus vite. Et nous voilà à l'auberge de la Croisée des Chemins, mes chers amis. Alors, voyons voir un petit peu ce tableau de quête d'abord. Avant toute chose. Les étrangers arrivent. Les étrangers arrivent. Il parlait de moi ou quoi? Alors, message de l'aubergiste. Si vous venez boire à l'auberge de la Croisée des Chemins, n'oubliez pas d'apporter des couronnes de Novigrad. C'est la seule monnaie acceptée. Nous n'ouvrons pas non plus d'ardoise. Les échanges sont exclus, sauf contre de la nourriture ou de la boisson. Si ça ne vous plaît pas, allez vous étouffer avec des glands. Merci. Avertissement, faites attention à ce que vous dites, les arbres ont des oreilles, une personne qui vous veut du bien. La veillée des ancêtres approche. L'heure de la veillée et des ancêtres approche, les âmes tourmentées, les âmes qui n'ont pas trouvé le repos après la mort, les fantômes affamés, fatigués, effrayés, tous seront bientôt parmi nous. Nous taillerons les masques et nous les enverrons dans l'autre monde avec des chants, des prières et des mots gentils. Préparez-vous le chaman. Ça, j'ai déjà vu ça. Avis à la population, tout propriétaire d'une vache laitière, obligation de la conduire, ça on avait déjà vu aussi. Disparu, Mickaël. Mon frère Mickaël a disparu, quiconque le trouvera ou découvrira au moins ce qu'il est advenu de lui se verra remettre une jolie récompense et je toucherai en prime un beau mot au baron. Vous me trouverez à l'auberge de la Croisée des Chemins, Bruno. Ok. Avertissement, attention, si vous voyez dans les bois des mets de fête suspendus aux branches, comme du pain d'épices, des pommes d'amour, des beignets ou des tourtes, tournez les talons, même si votre estomac crie famine. On ne revoit jamais vivant ceux qui goûtent à ces mets. Très bien. Ablette va se mettre toute seule, c'est marrant. Elle va se mettre toute seule ici, c'est cool. Alors, voyons voir. Il y a d'avoir un paquet de gens ici à qui on va pouvoir parler. Petite sauvegarde rapide, je vais aller voir s'il y a autre chose que l'aubergiste dans le coin. Ah tiens, il y a Bruno ici. Il y a Bruno pour sa quête. D'ailleurs, c'est une quête de level combien? Cœur sauvage? Mais non, c'est pas ça du tout.
Ouah, j'ai une quête niveau 33 déjà. Contre Aven, frère disparu, niveau 33 conseiller. Merde alors, c'est ouf. Il y a les level 33, ça là, je vais jamais pouvoir la faire. Cœur sauvage, peut-être un de ces jours. Ouais, Bruno, on te parlera plus tard, mon cher ami. Ou alors, attendez, je vais voir. Est-ce que je suis obligé de... de faire la quête tout de suite, je ne sais pas. Un sorceleur, il était temps. J'ai cru comprendre que vous aviez un contrat pour moi. Oui, c'est mon frère, Mikael. Une semaine qu'il est parti dans les collines avec les femmes de Braillard. Les femmes de Braillard? Un village riche, Braillard, avant que la guerre passe par là. Hutte incendiée, garde-manger pillée, hommes enrôlés de force. Les femmes ont été laissées sans défense, ni vivre ni abri. Personne n'en voulait. Les Rédaniens leur ont fermé les portes de Novigrad. Alors Mikael les a conduites aux vieilles mines, pour qu'elles soient au moins à l'abri de la pluie. Mais depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Ah, dommage. Bon, bah écoutez, est-ce que je peux parler de la récompense? Je pourrais m'en occuper si vous payez plus. Ah, putain, je peux gagner tellement de couronnes. Là, on peut facile passer à 300, je pense. Easy. On va tester 300. D'accord. C'est la vie de mon frère qui est en jeu après tout. J'accepte. J'ai tâché de retrouver votre frère. Entendu. Je vais tâcher de trouver votre frère. Comment le reconnaîtrai-je? C'est pas difficile. C'était le seul gars dans une troupe de filles. L'état des corps ne permet pas toujours de déterminer le sexe. Les corps? Dites pas ça. Ils se sont perdus, c'est tout. Mais s'il faut envisager le pire... ben... ils portent des bottines en cuir d'agneau de Maître Godillot. J'ai dit de pas porter ça pour crapahuter dans les collines. Un coup, elle est salopée. Mais elle en était si fière. Je pense que j'en sais assez. Merci. D'accord, ok. Son point le plus reconnaissable, c'est ses bottes. Très bien. Si tu veux. Alors, je vais regarder quand même si c'était bien cette quête-là de niveau 33 qui nous a été... Ouais, d'accord, je parlais à Bruno, ok. Bon, bah, c'était bien une quête niveau 33, on fera ça plus tard. Y'a pas l'homme que je recherche ici? À l'auberge? Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Ah, ça pue la merde là. Il y a des gardes ou un truc comme ça. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Je n'ai pas fini mon verre. Je n'ai pas fini mon verre. Tavernier, la vodka. Oh là là. C'est qui lui? Un grand guerrier qu'on dirait, avec deux épées. Hé, hey, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir deux épées? Une pour t'en mettre dans la bouche, une dans le cul! Planque deux queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Fichez tous le camp si vous tenez la vie. Je vous offre un verre? Une tournée générale, ça vous tente? Je peux savoir pourquoi. Ma bourse est bien remplie. Voilà pourquoi. Traîne pas avec les étrangers. Un bon verre vaut toutes les présentations du monde. Ensuite, chacun reprendra sa route. Ah merde, j'aurais pu les défoncer. Mets-nous ton chemin. Pas tes oignons. Désolé. Je raconte rarement ma vie au premier crétin venu. Mais je rêve ou quoi? C'était une insulte. Et une vraie. Dans ce cas, il va mourir. Ah bah oui, bah vas-y, bah viens me péter le cul, tiens. On va me défoncer, bah oui. Allez.
Mon gars, tu vas te faire défoncer, c'est toi qui vas te faire défoncer. Ça y est, le premier délélé, les amis. Wow. Elle est géniale cette musique. Voilà. Fallait pas me chercher les mecs. Quand le baron apprendra ce qui s'est passé ici, il mettra ce village à feu et à sang. On n'aura même pas le temps de dire que c'est un mutant qui a fait le coup. Il fait pas dans le détail, ça non. Où est Hendrik ? Vous êtes sourd ou quoi ? Je vous dis que le baron ne laissera pas ce crime impuni. Calmez-vous. Votre baron n'est pas stupide. Je doute sérieusement qu'il croira que les paysans du coin ont massacré ces hommes à coups de fourche. Dites-moi où est Hendrik ? Il habite à Bourlalande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Que savez-vous sur Hendrik ? Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik ? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, Tavernier. Sortez par derrière. Il y a encore des hommes du baron au village. Ne vous en faites pas pour moi. Je fais pas ça pour vous. Vous m'avez déjà causé assez d'ennuis comme ça. Ah, le baron. Sans doute le baron sanglant. Cherchez la gendarme Hendrik au village de Bourlalande. Ok, on a récupéré 2-3 sous. Oh putain! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais putain, il fait mal, lui! Oh, mais what? Ah, mais putain, vous êtes sérieux? C'est quoi ce bandit de ouf? On va lui mettre... Axie. Voilà. On va peut-être se calmer, les gars. Je sais que vous en avez 13 après moi, mais on va se calmer quand même. Oh là là, putain, il m'a défoncé. D'abord les archers en premier. Allez, crève. Merci. Allez, voilà, il est mort. Ouh. Apparemment, il y a un sacré paquet de bandits, effectivement. Bon, on va se laisser régénérer tranquillement. Vu que j'ai pas de quête spécialement de mon niveau pour l'instant, on va tout simplement prendre la petite tablette. Et on va aller voir un petit peu vers où on doit aller. Est-ce que c'est loin ce village de Bourlalande, bidule? D'accord, c'est de l'autre côté carrément quoi. Est-ce que je peux pas aller voir d'abord là? Avant de partir. Pourquoi pas? Allons voir par là-bas mes chers amis. D'abord je vais peut-être visiter d'abord le village. Il y a peut-être des trucs à récupérer. Un peu partout là. Non, apparemment non. Eh ben, y a rien à récupérer ici. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ?
Y'a aucun objet. Ah bah déjà là, devant l'auberge. Ah attendez, y'a un... Y'a une affiche ici. Disparition, Tamara Stranger, fille du baron sanglant, enlèvement supposé, une généreuse récompense, attend celui qui la retrouvera ou la ramènera. Il y a de rien à voir dans ces maisons, je suis un peu dégoûté. Cette maison requiert une clé. Nous n'avons pas, bien entendu. Allez, Ablette, on est parti. Non mais cassez-vous les chevaux, s'il vous plaît. Je vais peut-être méditer pour garder mes hirondelles. Ralentissons la lune. Ah, il y a l'air d'avoir des ennemis par là, des petits chiens sauvages ou un truc comme ça. Lél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 
Oh putain, il est arrivé comme un bourrin sur moi. On va aller se faire le mec du fond là. Mais putain, je vais frapper dans le vide. Allez, un de moins. Oh, 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 on va se calmer. Je ne vous voulais pas de mal, messire. Ah, you, 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 you. Attendez, on va le... Voilà, on va le contrer, ça va être beaucoup mieux. Putain, mais ils arrivent par derrière comme des salopards. Oh putain, sérieux. Ah, j'ai réussi à lui péter la gorge, oh, trop bien. On va reprendre un Axie, je pense. Un de vos objets est en mauvais état, réparez-le ou il sera moins efficace. Voilà. Oh, finish him. J'ai une de mes épées qui est en mauvais état. Va falloir la réparer. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que je trouve un forgeron dans le coin. Il n'y en a pas vraiment, vraiment. Il y avait quoi dans ce campement en fait? Je vois pas grand chose de ouf. Ah si, peut-être le coffre qui est là. Décoction de fielon, de l'eau de vie, de l'épée d'Orienne. Cette épée en acier pue la merde, cette épée en acier là. Pue la merde également. On va bientôt pouvoir porter ça, et j'ai hâte. Quoi, c'est des noyeurs au fond, près de la côte? Apparemment, oui. On va aller leur dire un petit bonjour. Peut-être un petit trésor en plus par là, avec un peu de chance. Non! Putain! Oh! Oh, on va se calmer. Allez, crève. Sale bâtard, va. Non. Ah, shit. Heureusement que ça ne me met pas le résumé à chaque fois que je charge, là, parce que tout à l'heure, ça me mettait le résumé. Enfin, dans les autres épisodes, des fois, ça me mettait le résumé quand je chargeais une partie, c'était un peu chiant. Je vais quand même voir s'il cache pas quelque chose, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. On va quand même bouffer un truc, parce que là on n'est pas assez régène quand même. La régène ne se fait pas assez vite. J'aime bien, je fais des petits bruits. Des petits bruits qui ne veulent rien dire. Non mais putain, mon signe Igni est pas revenu. Igni n'est pas revenu à temps. Je fais de la merde là. En plus les noyeurs, quand ils sont plusieurs, ils sont franchement chiants. Allez. On se ressaisit, on va les défoncer.
J'aimerais bien passer mon niveau en même temps, ce serait cool en fait. On voit pas grand chose aussi sur cette partie du terrain, il faut que je reste à proximité, là ce serait pas mal. Pourquoi je me régénère pas? Je suis au soleil pourtant. Ah, il est pas tout seul le salaud. Ah, mais Igni, putain, merci. Oh putain, sérieux. Oh fuck. Ouais bon, je sais pas s'il y a vraiment un truc caché. On va les laisser de côté, hein. Alors ce serait bien que j'ai une hirondelle. Je vais méditer. Puis je vais méditer une petite heure. Histoire d'avoir des hirondelles avec moi, ce serait pas mal. Je joue pas assez safe. Les amis, je ne joue pas assez safe. J'ai dit que je méditais. Mon coin s'est barré du coup, forcément. Allez. Mais putain, si je pouvais, voilà, éviter de garder lui en visu, ça m'arrangerait. Non, putain, j'ai ralte. Seriously, quoi. Oh, putain, si j'en ai 4 en même temps, ça va pas le faire. Tous les deux en même temps, allez, on les enchaîne. Merde. Oh, fuck. Bon, c'est pas grave. Ok. On va pouvoir se remettre bien, là. Il est où, le dernier? Il était pas loin. Il est là-bas. Non, fuck, non, meurs pas. Ah, 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 ah. Oh putain, c'était chaud. Ah, c'est stressant, c'est un truc de fou. Putain, bon. Allez, Ablette, on va se diriger vers notre objectif cette fois-ci. Quoi, y a un chien sauvage qui veut m'attaquer? Mais tu vas te faire défoncer, mon cher chien sauvage. Vas-y, Gérald. Quoi? Vous êtes sérieux de ce qui vient de se passer, là? J'ai mis un coup, je me suis pris un contre ou je ne sais pas quoi. Oui, j'ai pas sauvegardé après les noyeurs, putain de merde. Ah mon dieu, mais non! C'était quoi ce chien sauvage de mes couilles là? J'avais un couen en plus, il m'a quand même tué! Ça veut rien dire, c'est pas normal! Je comprends pas ce qui s'est passé.
Oh, ça me saoule, putain, il faut qu'on se retape toute la... Oh, merde. Lé. Ah, mais putain, ils sont 56 000 à me sauter dessus, ils m'énervent. Oh là là, putain. Putain, tu peux aller sur tes signes s'il te plaît au lieu de faire n'importe quoi? Ça m'arrangerait, merci. C'est tendu hein putain. Allez, un deuxième de mort. Mais tu vas crever un de ces jours? Fouah! Ah! On va jouer safe si on peut. Oh! Oh! Non! Fuck! J'ai cru, j'ai failli crever! Encore une fois! Ah mon dieu! Mon dieu, c'est tellement tendu! Bon, déjà un peu de parier sur le sort. C'est bien, Ablette. Allez, cette fois-ci, on va faire gaffe aux, aux salopards de chiens là. Je suis désolé, on a perdu super longtemps sur ces saloperies. Bon, là, cette fois-ci, on va essayer d'éviter de crever. Voilà, merci, sale chien de merde. Plus vite. Emprunter les routes, en général, c'est par là qu'il y a le plus de... Le donneur de quête. Qu'est-ce qu'il y a, Ablette? Pourquoi tu ne... Qu'est-ce qui t'arrive, ma pauvre? Attendez, je vais d'abord sauvegarder. Voilà. Tiens, il y a un petit... un mini-village, un mini-truc. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as entendu dire... Oh, tout doux, ma belle. Qu'est-ce qui se passe par là? Oh, pas si vite. Il y a d'avoir un prophète bizarre. Hein. La grande nuit tombera. Il y a mes frères se battront entre eux. La chasse sauvage. Ils vénèrent une putain de guenote dégueulasse. Petit ou grand. Ça avait l'air d'avoir un voyage. Une femme brillante. Je m'envoie chercher des bois dans la forêt. Ok, il y avait au moins deux objets à récupérer. Laissons s'entasser les cadavres de corbeaux. Présent. Quand la grande nuit. Consumera tout. J'ai pensé à sauvegarder au moins cette fois. On est tellement près de notre niveau, de notre prochain niveau. Ce serait pas mal qu'on puisse monter dans cet épisode. Faudrait que je puisse trouver un forgeron aussi pour... Ah, la ville a l'air d'être par là-bas, effectivement. Une cabane. Est-ce que je peux rentrer dans cette cabane? Oh là, il y a l'air d'avoir il y a peut-être trois bandits ou je sais pas quoi là-bas au fond, on va aller voir. Ah, il a réussi à me toucher, vous êtes sérieux? On va se mettre Axi. Allez, one shot, mon salaud. One shot.
Par les titans de Mélitel. Par les titans de Mélitel, je vais te défoncer, mon gros. Merde. Oh lolololololol. Mais putain, tu vas crever un jour, oui. On va se prendre Axis, ça marche quand même mieux. Voilà, merci. De bien vouloir crever. Mais putain, mais il va tellement vite, cet enfoiré. Encore un petit. Allez, un petit critique, c'était pas mal. Et là, ça devrait être la fin. Bim, voilà. Voilà, voilà comment on vous maîtrise, mes chers amis. Moi, je m'occupe de la racaille qui sévit en banlieue, vous voyez. Je n'ai pas de Karcher comme Monsieur Sarkozy, mais j'ai deux épées bien affûtées, moi. Bien entendu. Sachez que je ne cautionne pas les dires de Monsieur Sarkozy, son Karcher, hein, bien entendu. Mais c'était juste pour le pour la blague. Allez. En route, tablette. Alors. L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. J'avoue que cette ville est un petit peu bizarre. C'était censé être une... C'est quoi cet endroit? Mais qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que c'est du gel? Du gel magique? Le village n'a pas été pillé. Cette cabane n'a pas été fouillée. Ce n'est pas l'œuvre de pillards ou de voleurs. Ouais, il s'est passé un truc super chelou ici apparemment. Nous en saurons sans doute plus. Très bientôt. J'ai pas vu ce que j'ai pris, c'est pas grave. Ah, il y a une petite carte, un petit message. Celle qui sait. Qu'est-ce donc cette... cette chose? C'est rien... c'est pas un... C'est un livre, mais bon, c'est pas... On s'en fout, on va peut-être le jeter. Non, ça se revend les livres en fait, je pourrais les garder et les revendre quelques piécettes. Je peux ramasser ce qu'il y a dedans là. Un petit candélabre. Alors, il y a l'air d'avoir des ennemis au milieu, mais c'est quoi? Est-ce que je peux les voir d'ici? Il y a des bandits avec des chiens. Non, il y a un mec qui essaie de chasser des chiens, d'accord. On va peut-être l'aider avant. Avant qu'il se fasse buter. Ces chiens ne sont pas très contents. Voilà. Bonjour mon ami. Je ne sais pas si tu es Hendrik ou pas. Ginny Hendrik. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Ah, il est obligé d'user Axie pour le calmer. Oui, tout est fini, perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme. Du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Il s'est passé quoi ici? Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La chasse sauvage vu le froid. C'est la chasse sauvage. C'est sûr. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là.
J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir. Ouais, c'était bien la chasse sauvage, c'est bien ce que je pensais. Si quelqu'un connaît un peu plus sur le background de la chasse sauvage et pourrait nous rafraîchir un peu la mémoire, je serais preneur. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'ils représentent, est-ce qu'ils sont vraiment vivants ou si c'est vraiment des fantômes, je ne sais plus. Je sais qu'ils traquaient Gérald depuis longtemps. Parti, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine ? Non, et ne comptez pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Et bien entendu, mes chers amis, sans spoiler The Witcher 3, bien entendu, hein, par rapport à la chasse sauvage, mais si vous avez des infos sur de nouveau ce qui était dit peut-être dans les livres, dans le Witcher 1 et 2, parce que je m'en souviens plus trop, j'ai fait les jeux, mais je vous avoue que je m'en souviens plus trop. On va aller piller un peu la ville, en fait, ce serait pas mal. Aïe. Voilà. C'est verrouillé, d'accord, je peux pas rentrer. C'est bloqué par le froid. Les villageois ont tout laissé en plan. Tout a dû se passer en un éclair. Donc ça s'est bloqué, je peux pas y aller. Ah. Je peux récupérer ça, s'il vous plaît. Non, j'ai déjà tout pris. Oh mais c'est verrouillé, c'est triste. Ah, attendez, il y a encore un cadavre là en dessous. Côté d'Ablette. Ok, on va essayer de faire un peu tout le tour de la ville. Récupérer tout ce que je peux récupérer. Que j'ai tout récupéré ici. Ici la porte est bloquée. Et avant de rentrer dans cette maison là, je vais rentrer dans les autres. Si je peux, bien entendu. Là-bas, celle dans laquelle je suis rentré au début, je crois. Je suis arrivé par là au village. Il me semble. Donc du coup, on n'a plus qu'à aller voir notre objectif. Alors par contre, il y a des marques, je vais aller regarder un petit peu ce que c'est. Je vais examiner. Les traces de pas sont cernées de glace. Bah oui, c'est la chasse sauvage en même temps. Je crois que c'est le corps d'Hendrik. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Chercher dans ses bottes. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère.
Bon bah voilà, vous voyez, c'était l'endroit le plus inapproprié, et bah voilà, c'était là qu'il fallait chercher. Ah, sous le tapis, à mon avis. Il y a une... une cache. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Un peu de ménage s'impose. Si je pouvais descendre, ça m'arrangerait, voilà, merci. Qu'est-ce que nous avons là-dessous? Je ne sais pas pour l'instant, mais je vais d'abord sauvegarder. Bon, jamais, ou qu'il y a un fantôme qui apparaîtrait. Ah, toujours une disparition de la fille du baron. Ah, une bougie bizarre. Intéressant. Et donc, il y a sacrément pas mal de passages secrets ici. Des sous-sous, ça c'est bien. Sentier de couronne, moi je suis content. Ah, et une autre cache. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un registre. Paiement pour un sac de grains. Montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Ce mec cache des trucs à l'intérieur de trucs. Voilà des trucs. À l'intérieur de trucs. Cochon ivre, accrochage avec une sorcière. C'est ça qui m'intéresse, je pense. Mais d'abord, pas ça, parce que accrocher avec une sorcière, c'est ce qui nous intéresse en un premier lieu. Mais pas pour l'instant. D'abord, on va regarder un peu le reste. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellig et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Ça c'est Ciri ça. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Ciri avec le baron. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chat sauvage. Gelé. L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel. Un mauvais présage d'après les paysans. Ouais, tu m'étonnes. Accrochage avec une sorcière. Accrochage avec une sorcière. Le sujet atterrit dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Je crois que c'est tout. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri. D'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Ah ah ! Et nous avons monté de niveau, mes chers amis. Nous avons monté de niveau. Nous allons regarder un petit peu ce que nous pouvons faire en termes de points de compétences. Continuer à améliorer peut-être nos attaques. Est-ce que j'augmente les attaques rapides? Pour l'instant, j'ai une armure pas trop lourde, donc je pourrais utiliser des attaques rapides. Sachant que j'ai un build qui me permet de faire vachement plus de dégâts avec les attaques rapides. Pour l'instant, j'ai pas pu les équiper. Enfin, j'ai pas pu équiper encore cette compétence, mais pourquoi pas. Je sais qu'apparemment aussi, l'amélioration de Digny est forte. J'aimerais bien prendre aussi le signe d'Axi. Pour avoir de l'efficacité lors des dialogues. Je ne sais pas.
Est-ce que je me ferais d'abord du rouge ou du bleu? C'est à quel niveau que la suite se débloque d'ailleurs? Niveau 6, niveau 8, niveau 10, niveau 9. Et après ça se débloque dans les niveaux très élevés. La suite se débloque quand ici? 8 points. 8 points ça fait énorme. Je prends le Syndaxis, ce serait pas mal. Je sais pas si on en aurait besoin tout de suite, mais sait-on jamais. Au cas où j'en ai besoin un jour. On va s'équiper, tiens. De la nouvelle armure. Ah, elle est sympa celle-là. On apprendra que des trucs qui ne sont pas aussi intéressants. Mon armure n'est pas trop dégueulasse, ça va. Ok, chasse à la sorcière. Donc je pense à appuyer sur R quand j'ai une nouvelle quête qui s'affiche, comme ça je peux la suivre direct. Ok, très bien. Alors où est-ce qu'on doit aller si c'est le cas pour suivre notre quête? Retourner vers la ville du baron sanglant. D'accord. La quête du baron sanglant, c'est par là. Est-ce qu'on peut pas faire sur le chemin les petits points de passage qui sont là, peut-être? Et on s'arrêtera en arrivant au baron. Parce que ça fait déjà une heure là quasiment, je pourrais presque m'arrêter là en fait. Ablette, arrête de faire du caca, s'il te plaît. Ablette, ça ne va pas. Arrête ça tout de suite. On va peut-être se faire les trucs sur le chemin, quand même. Comme ça, on commencera direct avec une petite quête sympa la prochaine fois. Je ne sais pas du tout où on va atterrir, ceci dit. Il a l'air d'avoir un camp de réfugiés ou quelque chose comme ça. Ça m'a l'air d'être ça. Je vais te buter. Ils ont l'air d'être pas mal les déserteurs en plus. Par contre, le problème c'est que je peux pas. Putain, ils sont beaucoup là en fait, ça va être chaud. Aïe, 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 aïe. Oh, toi, tu me fais pas des signes comme ça, tu vas te faire défoncer, ouais. Faut que j'aille me faire l'archer, en fait. Lé. Mais putain, laissez-moi le buter, lui. Ah! Ah non! Ils ont fait du ping-pong avec moi, ces bâtards! On aurait pu y arriver, ma vigueur était bien montée là. Pas la vigueur, mon adrénaline. Ah là 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 là, c'était bien dur. Comme ma bite. Allez les gars, allez, on est chaud, on va y arriver. Je crois en moi. Ils disent bien que comme les magiciennes, les sorceleurs sont stériles. Voilà, c'est bien ce que je vous disais. Ouais, bien sûr. Allez, c'est parti, c'est la fête. Erreur fatale. Erreur fatale. Thank you.
Je vais te buter. C'est moi qui vais te buter. Aïe, 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 aïe. Non, mais pourquoi j'ai fait ça? J'aurais mieux fait de me mettre un coin direct. Moi, je peux le faire, de toute façon, ça toujours. Mais putain, genre, la flèche, elle se dévie direct sur moi, quoi. Monte, Geralt. Tu vas recruter que ta mère s'est tendue. Ouais, déjà, on va essayer de se débarrasser de ce... Putain. Par les tétons de Mélitel, sérieux, mec? Putain, fais chier. Quand il veut, il crève, ce salaud. Non, mais lol. Ah, là, il va mourir, c'est bon. Voilà. Maintenant, on va peut-être tenter des axis. On va prendre notre temps. Oh, fuck. Ah, one shot, voilà. Eh oh, on va se calmer là. Voilà, les petits one shot, ça fait plaisir. Quand ça marche en tout cas. On va se régène. On va se mettre un quen, voilà. Est-ce que l'autre là-bas il a perdu plus de vie? Oui, il a perdu plus de vie. Putain. Je voulais pas utiliser ça du tout en fait. Pas grave. Erreur fatale. Ah dommage, j'ai pas pu te one shot toi mon gros. Les, je peux pas toucher de loin. Il fait de la magie. On va se mettre un quen avant de repartir au combat. Merde! Oh putain! Voilà! Normalement, là, si j'utilise mes axis, ça devrait aller. Allez! Fuck! Bon, c'est pas grave, il est mort. Yes! Par contre, mon épée est dans un sacré état, là. Ok. Le coffre devant, si. Il est ouvrable. Minerai, peau de serre. Jacques de chasseur de primes. D'accord. Épée d'argentin. Oh. On comprend, vous êtes surchargé. Gérald porte trop d'objets. Si vous chargez un but de... Si vous chargez d'un butin trop important, vous ne pourrez plus courir ou sprinter. Un symbole 11 s'affiche à l'écran pour vous prévenir que vous êtes surchargé. D'accord, je peux plus courir, c'est pas grave. On va faire en sorte d'aller revendre pas mal d'objets là. Je peux plus courir, mais je peux toujours marcher, donc c'est pas un souci. Je vais avoir un nouvel équipement du coup à crafter. Je vais regarder dans. Mince. Je vais pas faire artisanat. Inventaire. Est-ce que cette épée est cool? Épée d'argentin? Non, ça pue la merde. Comme tout le reste d'ailleurs. Bon bah Ablette, on est parti, ma chère amie. Le problème c'est que là, si je peux pas aller... Est-ce qu'il y a un marchand quelque part, quoi, s'il vous plaît? Je
Sans doute dans la ville là-bas, il y a un marchand, mais... Pas de marchand ailleurs, j'en ai toujours pas rencontré ici des marchands. L'aubergiste qui on n'a pas parlé avant de partir, du coup j'aurais dû. Là-bas, y a rien. Faudrait venir ici, c'est tout simplement. On va prendre le chemin, on va aller à fond les ballons, et on s'arrêtera là du coup. J'aurais pas le choix, je suis encombré, il faut absolument que je... Il faut absolument que je me débarrasse de tout mon encombrement. Du coup, je pense qu'on va vendre des trucs aux aubergistes et... Enfin, une partie de mes items aux aubergistes ou quelque chose. Mais heureusement, il me faudra un forgeron pour... Pour pouvoir avoir plus d'argent, mais... Allez, voyons voir l'aubergiste. On pourrait peut-être lui acheter des cartes de Gwyn en plus. Vigrad, t'as jamais mis les pieds hors du village? Mon père m'y a emmené. Mais je vais pas faire ça. Ah oui, c'est vrai que je peux plus courir. Hein. Merde. Paraît qu'un lézard y a fait son nid tout seul. Je mettrai pas les pieds là-dedans. Il me faudrait un forgeron pour réparer. J'aurais peut-être dû me TP ailleurs. Pour réparer. Je ferai ça en off au pire. Je me retépérerai dans l'autre ville du début. Aubergiste. Il y a du monde qui est revenu ici, dis donc. Ça se trouve, il y en a qui peuvent jouer au Gwent et tout. À peine mené dans le sous-bois, on entendait un de ces bouhahas. On se serait cru au marché. La rudesse d'une cabane, l'obligation de vivre comme les gens. Cette fois, la paysanne, elle est en train de laver le sol. Salutations. Je pourrais lui parler du baron, mais je m'en fous. Un verre ne serait pas de refus. Je boirais bien quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez. Là là là. Ah putain, je peux pas lui vendre ça, fais chier. Je peux lui vendre de la bouffe, mais ça m'intéresse pas de lui vendre de la bouffe. Dans les matériaux ici, j'ai rien à vendre, quasiment. Non, on peut quasiment rien lui vendre, quoi. On peut lui vendre des pots, ça oui. Mais c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir trop de poids. Ça se revend cher, ces putains de pots d'ours. Des bougies. Ça me sert à avoir quoi, de la cire ou un truc comme ça. La chair pourrie. Vous pouvez vendre ceci à des marchands pour le faire monter et obtenir des composants. Ok, le marchand n'a plus assez d'argent. On va d'abord lui acheter des cartes de Gwyn du coup. Sonnerie de la charge, double la force de toutes les cartes unités de la ligne. Vous ne pouvez remplacer qu'une par ligne, ok. Ça doit être fort. Unité combat de siège. Combat rapproché, il faudra placer cette carte près d'une autre portant le même nom pour doubler la force des deux cartes. C'est Nilfgaard. Combat rapproché, il y en a trois. Placer la carte près d'une autre portant le même nom pour doubler la force des deux cartes, ok. Ça doit être la même. Emir Van Emreis. Sa Majesté Impériale, regardez trois cartes choisies. C'est un héros, ça. C'est un chef, d'accord. Sa Majesté Impériale, regardez trois cartes choisies au hasard dans la main de votre adversaire. Oh, la liqueur de Mandragore coûte cher.
Je vais pas vendre tous mes trucs parce qu'après j'ai peur de plus avoir. Ce qu'il me faut en termes de peau et tout ça. La peau de cheval c'est vraiment cher. Hein. On va garder les peaux qui me restent pour l'instant. On n'a pas le coup de les vendre. Même si j'aimerais bien dépouiller ce marchand de toutes ces thunes. Tchoum ! On va revendre de la peau d'ours. Voilà, et après, je sais pas si on peut... Tchoum, excusez-moi. Parfait. On est bien. Au revoir. Adieu. Mes petits amis, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et bien entendu à commenter. Je lirai vos commentaires. Du moment que le bol est plein. Hop. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Je lirai vos commentaires bien entendu avec avec amour et passion. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.